Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre les bases de l'édition d'indicateurs dans TradingView. Alors, pour créer un indicateur dans TradingView, eh bien, c'est relativement simple. Il faut cliquer sur Pine Editor, ici, voilà, et faire Nouveau, et choisir Blank Indicator Script, ou un indicateur qui est fourni et qu'on peut pour lequel on peut voir le code source. Le code source, c'est ça, hein, c'est les instructions informatiques qui permettent de tracer l'indicateur. Pour nous, on va en créer un from scratch. Voilà, donc ils appellent ça dans TradingView une study. Et on va lui donner un nom. On va mettre essai. Voilà. Donc ça, cette ligne-là, version égale 3, on la laisse. Ensuite, on saute quelques lignes. On va faire un indicateur qui affiche des barres orange quand le RSI est au-dessus de plus 70. Donc, je déclare mon RSI. Alors, une déclaration, ça se fait comme ça, avec le symbole égal. Et RSI, ça devrait être ça. Voilà. Donc, quand on passe le curseur de la souris sur un mot-clé, il y a une petite aide contextuelle qui apparaît. Sinon, vous pouvez chercher dans Help, Pine Script Reference Pop-up. Voilà, donc je cherche RSI. RIS, non, c'est pas ça. RSI. Voilà, il y a la documentation avec des exemples. Voilà, donc cette syntaxe, je ne la connais pas. Bon, on va faire ça. Donc, myRSI, c'est ça. Et je vais déclarer mon indicateur. Voilà, on indique. Et je vais l'initialiser à 0.0. Alors, 0.0, c'est important. Ça veut dire que c'est un float, donc un nombre à virgule. Et on va faire un petit test. If. Il faut mettre une parenthèse. If my RSI supérieur ou égal à 70. Voilà. Alors on fait non indique égal 1. Et sinon else mon indique égal 0. Je mets close. Alors, on passe on a le titre, on ne va pas mettre de titre, la couleur et l'épaisseur de la ligne et le style. Alors, on a plusieurs paramètres. Ces paramètres, on ne va pas tous les renseigner. Et comment on fait? Eh bien, on met le nom du paramètre en premier, et on met égal. Donc là, je vais mettre orange. Voilà, virgule, style, égal, histogramme. On va sauvegarder notre indicateur. Normalement, il me propose, voilà. Ici, ben c'est parfait, je garde ici. Et pour le tester, on fait add to chart. Voilà, bon, ça me semble un peu faux. Oui, bien sûr, parce que alors je vais faire en direct, hein, je vais pas préparer. On va cloter ça et je fais save. Voilà, alors j'ai une erreur. Ça vous permet de voir comment on débug. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, il dit que on appelle la fonction, la méthode plot par avec des arguments const float. C'est une constante. Donc je vais essayer de mettre ça comme ça. Et on va voir ce que ça change. Pas mieux. Donc je vais chercher la solution et puis je rallume la vidéo.
Alors voilà, j'ai trouvé déjà, il y avait le close ici qui est resté, donc il faut l'enlever, bien sûr, puisqu'on ne veut pas afficher close, mais on indique. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai rien changé. J'ai rajouté ça. Ça veut dire qu'on prend la dernière barre de l'indicateur MyRSI. Si j'avais voulu prendre la dixième, plutôt la onzième, j'aurais mis 10. Voilà. J'ai mis ça comme ça. Et alors, ce qu'il y a, et qui est une erreur fréquente en fait, je crois qu'ils ont changé le langage. En fait, avant, on mettait version 2, là, c'est version 3. Et en version 3, pour modifier une variable, ça, il faut le savoir, c'est super important, il faut mettre deux petits points devant le égal. Sinon, ça marche pas. Alors, normalement, il met une erreur, là, il m'a pas mis d'erreur. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà, on a notre indicateur qui fonctionne. On affiche des barres. Le style ici, normalement, si je mets plot là, on va aller dans l'aide sur ma pop-up. On va chercher plot. Là, on a le style, voilà, on a les valeurs line, histogramme, cross, voilà, column, cycles. La couleur, on peut mettre l'épaisseur de la ligne aussi, on a différentes choses. Donc ce qui est super important, c'est ça. Mettre deux points égaux pour initialiser une valeur. C'est vraiment un truc qui, moi, qui m'a fait galérer quelques minutes. Quelques dizaines de minutes. Il faut le savoir, hein, si on démarre, surtout si on démarre comme moi from scratch d'après les exemples. Et donc, vous pouvez vous inspirer d'indicateurs qui existent. Donc, vous avez pas mal d'indicateurs, mais ce petit truc-là, vous auriez eu du mal à le trouver. Donc, maintenant, vous le savez. Après, c'est relativement simple. Donc là, j'ai mis ça. On va voir si il autorise 100. Voilà. Donc on n'a pas besoin de le mettre à 0 parce que là il est déjà à 0. Et voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir. On va voir, on va analyser une autre script. Voilà, donc là, si on veut récupérer la valeur d'une variable, c'est avec input. Donc là, en fait, dans les paramètres de l'indicateur, on va avoir des inputs. On n'a qu'à le valider. Voilà, overlay, ça veut dire qu'on est sur le prix. Donc on va aller voir sur LED. On va chercher overlay. Ok, il veut pas. Donc on va chercher study. Overlay. Voilà. Si on l'a mis à true, comme ici, ça va l'ajouter au prix. Donc voilà. Input. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus que ce qu'on a vu. Et si il y a fill qui va permettre de remplir la zone entre les deux lignes. Donc on va faire save. Rajouter ici. À toute charte. Et voilà, on a nos bandes de Bollinger. Si je mets false à overlay ou si je l'enlève carrément, voilà, il va rester là, mais
j'enlève ici, je l'ajoute en chart. Ouais, il va le mettre là. Et donc les paramètres, c'est ici. Vous avez les lignes, les inputs. Donc on peut régler les inputs, voilà. Et le code source, on l'affiche comme ça, ou en cliquant ici sur les petites accolades. Voilà. Bon, je voulais faire cette vidéo juste pour vous montrer l'importance des deux points égales. Alors ici, il n'y a pas les deux points égales, parce que on initialise cet indicateur, par exemple. Cet indicateur, on l'initialise. C'est la première fois qu'on rencontre cette instruction. On la déclare, donc on met lower la première fois. Ça, c'est une déclaration. Si on enlève ça, par exemple, ça, c'est une déclaration. Et là, on l'initialise, on la déclare et on l'initialise. Quand on initialise, on met juste le égal. Quand on a déjà déclaré, si je voulais par exemple modifier cette variable, je ferai comme ça. Et je ferai plus 1. On va voir ce que ça fait. Voilà, bon, ça la remonte un peu. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je voulais vous montrer, c'est la différence entre ça et ça. Le reste, bah, vous apprendrez rapidement grâce à l'aide. Donc vous avez un tutoriel, PineScript tutoriel dans l'aide. Vous avez la référence en pop-up dans une fenêtre à part. Et vous avez tout plein d'exemples ici. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et cliquez sur le petit pouce bleu pour l'aimer. Partagez-la. Et allez voir le blog trainingattitude.com. Merci, à bientôt.